Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Dans l'occasion journée internationale langue créole, nous avons un pile plaisir pour nous recevoir membre Académie langue créole, Adeline Magloire Chancy, membre Académie créole, c'est une académicienne haïtienne tout. Et puis Madame Lucas Joute Beauville, qui est directrice communication Académie créole haïtienne. C'est avec plaisir que je vous recevoir. D'abord, on commence avec Madame Madame Adeline Magloire Chancy, bonjour. Bonjour, bonjour Télémétropole. Je suis content qu'il y ait une possibilité de recevoir là matin. Eh bien, moi-même, je suis content. C'est la première fois que je suis venu dans l'émission ça, que je connais bien. Vous continuez? Oui. Et puis, tout profiter, donc saluer Radio Métropole, saluer Télévision Métropole, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui suivent nous aujourd'hui. Bon, je retourne pour dire pourquoi je suis sur l'émission ça tout à l'heure, mais qui a introduit Mme Beauville, qui est directrice communication académique créole haïtienne. Mme Lucas Joute Beauville, bonjour. Bonjour Wendell, et nous saluons tous les téléspectateurs et Télémétropole et Radio Métropole tout, et nous comptons pour nous là matin avec Académie créole dans l'occasion de célébration Journée internationale langue maternelle. Je me suis dit, pendant que tu es avec nous dans le salon métropole, je me suis dit, est-ce que nous ne pouvons pas complexer ce matin? Pas de moyens pour complexer. Non, le petit complexe, c'est parce que je connais que créole est la langue maman liée. La langue maman, la langue papa, ça va moi apprendre à faire tout le bagaille. Mais ça ne veut pas dire que je parle bien. Je me dis, parler bien, nous-mêmes qui sommes académiciennes, nous quand ça me l'a dit qui ça me l'a dit par là me l'a dit que et grand pile chance que parole m'a dit en créole yo m'a prend l'autre mot me fourer la donne alors qui pas que qui pas créole parce que m'ka prend mot français me fourer la donne carrément et le ça et nous même ça ca déranger nous ça pas déranger nous et j'en nous désolé tout à l'heure madame Jean c'était dit tout langue yo frotté. Langue yo frotté nous pas rien problème donc c'est pour émission nous vinn là n'a parlé. N'a parlé. Donc pas besoin gain aucun complexe. Pas besoin gain aucun complexe. Mais parler. Madame Chancy, pour qui ça ou son auditrice fidèle le point pour qui ça suivre nous. Parce que ça fait me faire connaissance avec un pile haïtien que pas gain occasion rencontrer et que m'intéresser dans toutes les dimensions problèmes émission ça qu'on mener pour nous tendre, pour nous discuter, pour nous comprendre, ou bien pour nous poser peut-être nos questions. Et parce que et ces derniers temps, moi j'ai fait un effort qui fait justement pour introduire créole dans l'émission. Là, c'était français seulement. Et je pensais que l'émission émission faite en créole, eh bien, il y a intention de rejoindre tout le monde dans le pays. C'est impression fort. Ah, oui, je crois ça et m'encourager nous pour suivre dans la direction ça. Mais est-ce que globalement, d'après nous-mêmes, en Haïti, pas un effort qui fait dans ce sens ça globalement. On met les métropoles là de côté, Manuel. Globalement. Moi-même, je vis assez longtemps pour me dire oui. Il y a qui changer dans le pays à cette question ça. Oui. D'après nous-mêmes, créole n'a pas toujours été une barrière ou bien bon. C'est une barrière parce que l'idée que créole là son langue inférieure, sont l'idée même si vous faites un pile effort ou qu'à changer ou qu'à écrire livre ou qu'à ça pas l'aider, mais bon résidu côté ça dépend qui gens y ont élevé où. Alors, nous pas dire si c'est vrai. Je suis content des réflexions quelques jeunes qu'on a fait. Et nous-mêmes qui ont une question plus bien que moi-même, on a dit, mais est-ce que c'est correct? Moi, dans les jeunes, nous avons dit, les plus faciles, c'est comme si nous avons dit, les plus beaux, c'est plus élégant, par exemple. Lui a parlé avec une dame pour dire je t'aime ou le pour dire moi rien mais
Est-ce que nous-mêmes nous comprenons? Je pense, je parle à Mme Jean-Séoui, je pense en pile fois c'est dans la tête que vous voulez mettre ça. Mm-hmm. Vous voulez mettre ça dans la tête, lui dit je t'aime, les plus jolis, les plus belles. Mm-hmm. Alors que l'autre, on moins aimé, Wendell. Mm-hmm. Son fils, on moins aimé. Est-ce qu'on ne peut pas sentir le pied entrer dans l'amour? Il fait tout comme c'est quoi? Vous comprenez? Il faut tout connaître, battre. Parce que, dit au moins aimé. Et c'est gens nous te mettent dans la tête jeune, et c'est gens nous fait l'école en Haïti. C'est ça qui bat le problème, ça. Qui mettait et sentiment d'infériorité sous l'angle. Nan. Et nous apprenons ces mon ces timonat jusqu'à présent on vient dans la cour l'école gain l'école qui mettait et faut parler français ou bien créole, le créole est interdit sur la cour de l'école. Donc maintenant l'on fait comme ça ou gain fait ces mon senti que s'il parle créole est inférieur vraiment ou fait le connaît que il pas exprimé d'ailleurs qu'on dit exprimez-vous. Non mais est-ce que vous retirez tout bagage sur l'école qu'on est là, est-ce que vous retirez le ministère de l'éducation nationale gain un pile travail à faire sur ça et parce que moi fait toute étude primaire comme ça hein, c'est oui ni moi même tout ni madame Chancy nous tout il était interdit de s'exprimer oui de parler créole en classe et sur la cour de l'école. Oui. Mais il y a un peu de travail et à partir pardon, de depuis 1979, qu'on est avec réforme, non, etc., il y a un peu de travail qui fait, un peu de travail qui fait. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas arriver à ça. Jean Satad Weye, nous ne pouvons pas arriver, mais il y a un travail qui fait. Madame Chancy, qui est la langue belle véritablement? Et puis, vous pouvez répondre à la question, réflexion que nous avons faite. Par exemple, je t'aime tapis belle que moi j'aime. Et c'est comme si je me disais, et te quiero mucho, t'as plus belle que I love you. Ou bien I love you, t'as plus belle que te quiero mucho. Bon, c'est des expressions de, justement de l'idée que langue-là, son langue inférieure. Et ça, c'est pas seulement l'école. Hein? C'est tout, comme je me disais, institution dans la société. Hein? Véhiculer l'idée ça, qui va l'idée ça. Quelquefois, c'est dans la famille, c'est-à-dire c'est pas yo diou langue inférieure, tout simplement, ou pas parler créole. Ou pas parler créole avec. Moi-même, je n'entends pas moi, dans le milieu côté de vivre, mon adulte pas parler créole avec Timon. Timon pas fait pour parler créole avec adulte. Oui, ça c'était considéré comme mal élevé. Donc, pas besoin de temps pour mal l'école pour me sentir ça. C'est toute ambiance là. Le fini, tout livre, toute lecture, toute éducation, l'église, même bagaille. En fait. Mais ça peut pas pour un chemin ça, quand vous venez à l'académie créole, alors qu'on pas élevé là-dedans. Pas élevé là-dedans et pas gagné dans l'éducation qui te mène dans le chemin ça. Ah. Pas gagné vraiment. Vous sont révoltés, vous sont rebelles. Oui. Et moi, tout le monde, faut monde qui est élevé comme moi, il faut y rebeller tout. Faut y rebeller tout parce que on va passer à côté population. On va passer, ou pas, c'est-à-dire, ou pas éduquer pour comprendre le problème, yo, pour apprendre, essayer de comprendre qui sont capables d'aider pour solutionner le problème. Yo. Mais est-ce que le problème n'est pas sociétal tout dans la mesure. Excusez-moi. est-ce que il y a des problèmes, c'est pas dans la société à même yo existé. Par exemple, jodi là, si mal est un côté, mal mande un travail, et que secrétaire qui a recevoir maintenant, ou bien réceptionniste là, qui a recevoir maintenant, il est capable pas juger même gens si me rivé c'est créole mais parler avec lui, avec si me parler français avec elle. Est-ce que nous, au niveau de l'académie, nous entendons attaquer les problèmes ça autour? Mais écoutez, c'est de toutes les façons, l'académie a face à tout problème société, à tout problème institution. Yo. Imaginons la justice. Ou quand imaginons une situation qui est plus dramatique parce que ça. Il y a un monde qui paraît pour l'allemand de justice. Et puis, il parle en langue avec lui que le pas comprendre. Et il traite avec Jean Dia, avec mépris, s'il pas parle français. Donc c'est bon, français, ça c'est vraiment son question de droit et actuellement nous gagnons avantage ça que n'a pas évolué qu'on y a dans au monde côté et institutions internationales et de par le monde parce que c'est pas Haïti seulement qui a un problème ça et bien yo bay langue maternelle là langue maman yo fin par ouais qui wol li gagnent sous personnalité monde sous individu au point que thème là, c'est
langue nous c'est nous. Pas un citoyen sans langue. Bon, en Haïti, langue là beaucoup ça. C'est-à-dire perception que société en général là gagne de langue là, pourquoi arriver là? Pas un citoyen sans langue. Comment comprendre que un haïtien il apprend li et qu'il apprend li. C'est-à-dire les concordes écrits. Mais il n'y pas comprendre ça qui écrit dans l'acte de naissance. Et alors que c'est très facile pour mettre dans la langue. Alors, une question par rapport à ce que vous dites là, même d'après maintenant Mme Beauville. Et dans le mois d'octobre, là, nous avons célébré. Alors, il faut que nous avons fait cette différence. Gagne journée internationale langue à Kilti Creole et gagne journée internationale langue maternelle. Dans l'octobre qui s'est passé, l'Académie Creole a traité sujet ça. En nous travaillons pour nous tous joindre service nous besoin dans la langue. Alors c'est pour me venir à la question que vous avez posée tout à l'heure là. Si vous parlez dans l'institution, si vous parlez créole, vous ne pas recevoir. Alors vous ne recevoir. Mais vous ne pas garder la même chance si vous parlez avec français dans la bouche. Donc c'est gourmet ça. Et c'est travail l'Académie créole haïtienne a fait pour faire promotion pour la langue, pour nous retirer toutes sortes de complexes, toutes sortes de préjugés que on nous ta capable de gagner. Et nous te traiter sujet ça, nous débattre question dans l'école, avec jeunes yo dans université, nous travailler avec moun dans communauté pour nous commencer faire travail ça. Il faut que moi dire, c'est pas un travail qui a capable fait jodi pour demain. Parce que son travail de longue haleine côté pour nous marcher faire sensibilisation ça et madame Chance était parlé d'après mon travail de longue haleine pour oui son travail n'a fait et pendant longtemps et pas sans souffle sans prendre souffle bon ouais non son travail sans prendre souffle et madame Chance s'est parlé de justice mes amis il y a gens qui ont condamné il y a condamné mon abat bravo oui il pas comprendre ça a dit pendant il a prononcé sentence sous lui et puis c'est là nous t'a allé non et pas rester dans pour nous traiter n'importe quoi seulement côté au moins nous frotter avec technologie nous garder télévision nous tendre radio qui parle français mais ce côté monde pas tendre français du tout dans oreilles et puis pour malheureux à vous diable il a condamné lui pas connait et puis le content c'est l'elle garder le ouais mener tourner même côté le terrain après ça là c'est pas un gros plaidoyer pour que tu as fait pour langue créole là dans dans le sens que et c'est vrai. Et par contre, c'est une balle d'accord. Français que homme de loi, vous parlez. Hein. Mes amis. C'est pas. Non. C'est moderne. C'est pas. Moi-même, je suis professeur juridique. C'est ça qui fait qu'on sait deux termes qu'on est. Mais je suis pas professeur de droit. Mais on monde qui par contre jamais entendu en série de paroles et puis il y a plagon habeas corpus dans l'estomac donc on va pas comprendre ça dit. Alors madame Chancy alors, je vais retourner sur l'explication que vous avez tout à l'heure. Lors dit que vous n'avez pas grandi dans un environnement créole à 100%, c'est vrai que lors quitter la caillou, vous avez croisé des amis, vous créole tombé. Pas de fille. L'époque, pas moi, petite fille, pas parler créole. Petite fille, pas parler créole. Vous comprenez? Ce n'est pas bien vu. Ok. Vous comprenez? Ce n'est pas normalement. Donc, ça veut dire que un petit garçon un petit garçon un petit garçon qui a pas approché là pour mettre français sur lui il est ça ah oui et puis il faut le comme c'est répété la répété faut le bon petit poème faut le compte toute bagaille ça yo mais un peu là bas jour bon petit cahier chanson française tout ça oui enfin bon yo pas moi même yo pas faire disons que pas dans chercher bagaille comme ça mais c'est comme ça t'est fait. Et c'est comme ça que vous pensez que le bien. Et bien nous évoluer. Alors, parce que ça t'est. Oui. D'abord, vous me retournez tout à l'heure, peut-être avant l'émission finie, pour Fonti, pour rappeler que j'en. Pour nous retourner sur les us et coutumes de l'ancien temps. Mais si ça ne pas dérange, je suis plutôt à l'aise pour capable. Parce que bien, là, vous me connaissez que ça t'est fait longtemps véritablement. Mais dis-moi, combien de temps, par exemple, au besoin combien de temps on a besoin, un haïtien besoin, on dit un monde tant que Mme Beauville, tant que moi-même, ou bien l'autre monde qui fait toute l'école aussi en français, qui combien de temps on a besoin pour nous vraiment bien maîtriser créole là, maîtriser lui au niveau tant au niveau de l'écriture que l'on parle.
par exemple, moi-même, j'ai un peu de fois, j'ai écrit moins. Chaque fois, j'ai écrit moins, j'ai écrit un genre différent. Bon, un exemple comme ça. T'as une parole, ça arrive, j'ai écrit parole là avec W ou bien j'ai écrit avec R. Bon, combien de temps besoin pour bien maîtriser le créole? Comme si j'ai écrit une lettre en créole, ça m'avait faute. Même si on va dire, principe orthographe créole là, son principe scientifique et son principe qui facilite l'écriture là, qui fait orthographe là finalement, qui facilite l'orthographe là et qui fait, yo considérer orthographe créole comme un modèle dans le monde scientifique. Pourquoi ça? Parce que les obéit à une règle scientifique ou écrit ou font une représentation graphique de un son qu'on entendait. Et c'est tout le son, c'est toujours le même genre écrit. Donc, le plus phonétique que tout le bagage, on le dit. Hein? Le plus phonétique que. Oui, phonémique, il y a toutes sortes d'appellations. Moi, je ne suis pas linguiste. Mais je suis éducatrice. OK. Et moi, ouais, ça représente le. En particulier, je suis éducatrice d'adulte. Alphabétisation, c'est spécialité, moi. Le monde disposé d'orthographe, ça. Parce qu'on est dans les sons, on connaît qui j'en pour écrire. On dit « oh », on connaît qui j'en pour écrire. Et moi, je parle, je dis une petite parole, un grand linguiste haïtien, Yves Desjean, te dit, ou l'écrit, ou mettez WA devant voyelle ronde, ça veut dire devant O, O, O. Est-ce que vous comprenez? Non. Ah oui, pour, parce que c'est son. C'est son. On dit pronom, par exemple. On dit pronom. O devant oa, c'est pas. On pas dit pronom. On dit pronom. On dit pronom. C'est en ou qui sorti. Sorti en ou qui vient quand on W. Oui. C'est parce que c'est pas ou vraiment. W, O. Mais l'ordi. Parole. Parole, même bagaille, c'est O. Même bagaille. C'est on yo. C'est ou, on. Oh. Mon poil. Mon non, pral. C'est mon poil. Ah, c'est mon poil. Sous-dit mes poil. On peut écrire le poil W. Non, mon poil, on dit ça. Mon poil l'école. Si on dit ça, que écrit W. Parce qu'il y a une variante. Dans la langue. Je vais dire ça. Est-ce que pas un problème pour moi qui dit pral l'école ou bien le poil l'école? Si pour le poil l'école, c'est avec pral l'école, c'est même bagaille. Ça qui dit poil là, écrit la R, ça qui dit poil là, écrit la W. C'est tout simple. Au niveau de l'académie, qui je nous concilier les façons de parler dans les différentes régions du pays. Bon. Alors, excusez-moi, au cap haïtien. Vraiment, monsieur Théodore, nous ne pas rentrer trop dans la discussion, ça, je dis. C'est pas une discussion, c'est une séance d'information, tout. Parce que dans l'académie, il y a des gens tout côté, qui sont tous de côté dans le pays, et même de l'étranger, qui travaillent à l'étranger. Et ça veut dire qu'il y a un pile variante. Ouais, bon. Alors ça, c'est des discussions que la direction de la recherche dans l'académie, un jour, va penser à l'académie. Pour le moment, nous, là, je dis, parce que dans le pays, pas nous. Nous, pas qu'à faire, c'est pas travail de bureau seulement nous qu'à faire. C'est pas travail de recherche seulement nous qu'à faire. Donc on travaille de promotion et de défense langue là. Et là, langue, c'est affaire population. C'est pas affaire académie à nous. Académie là pour accompagner. Mais langue là, c'est affaire population. Merci. Et donc faut que toute population marche dans la question de défense là. Nous parlons tout d'un coup là, Madame Chancy, Madame Beauville. Sur ça nous entend faire pour l'occasion, c'est dimanche qui c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Alors, bon précision tout à l'heure, c'est journée internationale. Oui, langue maternelle. Langue maternelle. Bon, comme nous avons de langue maternelle, donc créole là. Créole là. C'est créole là. Son avantage. Donc ça nous prévoit faire. N'a bien avec explication ça après pause là. Ah, OK. Poursuivez madame monsieur la rubrique le où. Alors, tu me dis ça en l'autre gens, et pour mon diapason avec nous, nous suivons le point, jeudi, dans l'occasion journée internationale langue maternelle, là, les créoles. Langue maman. Ah ben oui. Pas de langue maternelle, langue maman. Ok, langue maman, nous. Et je vais recevoir dans le point, jeudi, Adeline Magloire-Chancy, qui c'est Mam Académie Créole,
sont académiciennes haïtiennes ou haïtiennes? Ou Kadi haïtienne. Ok. Et puis, il y a madame, Kadi madame. C'est madame. Luca, le prénom, Luca. Ah ben oui, ah ben, madame Luca Joutbeauville, c'est ça? Oui. Qui est directrice communication académique créole haïtienne. Alors, pas l'auditeur, dit que c'est intéressant, ça m'a fait que je non, c'est pas ça, non. Je ne voulais pas l'école là bien. Parce que je suis académicienne avec moi. Je propose d'abtourner tout de suite après pour nous capable adresser l'autre question qui a rapport avec créole là. Merci tout le monde. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Nous sommes radio et télévision Métropole. Nous suivons une émission spéciale sur la rubrique Le Point. Dans l'occasion de la journée internationale langue Mamanou, moi j'ai un pile plaisir pour me recevoir aujourd'hui madame Adeline Magloire Chancy, qui est membre académique créole. Et même tout, c'est une académicienne haïtienne. Et puis, il y a Mme Luca Joutbeauville, qui est directrice communication, Académie créole haïtienne. C'est deux invités que nous avons aujourd'hui pour nous parler de langue créole matin. Nous avons parlé de sa créole. J'ai parlé de l'erreur, par exemple, nous avons fait si je parle créole, nous avons compris que je parle créole et que je ne parle aucune langue humaine. Donc, selon nous-mêmes, pas un gros problème pour ça. Et je dis, hein, parce que créole la marie avec un peu l'autre langue. Mais en aller pour ça, nous prévoit pour. Qu'est-ce que ça a fait pour marquer journée ça, qui a privé sur nous dimanche prochain? Bon. Et pratiquement, pendant toute semaine, nous faisons un peu de visite. Genre, nous là, je dis, c'est ça qui mène nous. Pendant la semaine, nous étions les Guinéens, nous étions les Nationales, tout. Pour nous capables de sensibiliser la population hein, sur et rôle langue maman dans le développement monde. Donc et dans le développement pays tout. Donc mais pendant semaine là à partir de demain nous pourrons aller dans ville Gonaïves et c'est là nous allons faire célébration hein, officiellement après tout à l'heure là nous allons conférence de presse ici là. Hier nous avons conférence de presse dans ville Gonaïves tout. Et pendant semaine là n'a Gonaïves depuis demain n'a bien exposé livre créole parce que jeune yo en pile nan yo pa konnen si gen en pile titre ça dans livre créole là nous gen en pile titre dans académie hein nous pour aller faire exposer livre pour yo inviter jeune yo vini et a gen des conférences débat tout sur sujet ça Jean madame Chancy t'a annoncé tout à l'heure langue nous c'est nous pas gen citoyen sans langue a gen des conférences débat gen des académiciens qui pourra aller pour faire conférence ça avec jeune yo et a gagné exposition œuvres culturelles tout parce que gagné et direction nationale du livre qui gagne des claques centre culturel de lecture d'animation culturelle dans tout département yo dans claque yo pendant toute semaine yo gagne activité culturelle que y a fait tout dans occasion pour marquer journée et a gagné BNE Bureau national ethnologie qui a fait exposition et œuvres sacrées dans ville Gonaïves tout donc c'est comme ça nous marier bagaille là c'est ensemble activité ça yo et dans dimanche après-midi a gagné un gros coup de jaï sous place là dans ville Gonaïves côté a gagné groupe racine a gagné et moun k'ap danser a capella k'ap chanter etc. et c'est là tout président conseil d'administration académie créole haïtien hein? Et là la fait discours officiel li sous place ville Gonaïves. OK, m'a besoin demander nous pour ça c'est Gonaïve. Non, on va le faire mais si nous voulons dire ça, on va bien prendre compte pour ça. Et bien, c'est parce que c'est cité d'indépendance. Donc d'aller dans site c'est son site symbolique. Pour célébrer et langue maman nous, langue créole, ça veut dire c'est nous. Okay. Langue là c'est nous. Langue et culture créole. Gè on bagay besoin on dit pour nous et on petite explication besoin. Importance langue créole dans le développement monde. C'est ce que je dis ça tout à l'heure, madame Beauville. Qui est créole là capable de développer monde? Et ouais, nous si nous parlons de la paix, un exemple, on va m'a dit ou pas qu'à parler de la paix sans pas à l'aise pour me parler libre pour me dire ça me penser pour nous mettre idée nous là sous table là pour nous discuter si me pas qu'à faire dans langue on est en langue moi parler bien et c'est même bagaille pour même tout donc moi même développer comme si non parler de langue dans développement ou est développement moun nan li même comment moun nan senti la à l'aise pour l'exprimer comment moun nan senti la à l'aise tout à l'heure nous t'a parlé demander service
je suis capable de sentir marré, je ne parle pas français ou même pas anglais, qui langue demandé pour me parler. Je me sens gêné, je ne peux pas prendre position que j'ai besoin de prendre parce que j'ai un problème de langue. Donc, c'est ça, l'homme, nous, la langue, nous, la valeur, tout. Valeur culturelle, nous, expression, nous, tout bagage. Donc, l'homme parle de langue dans le développement du monde, c'est dans tout sens ça. Moi-même développé ou épanoui à travers la langue qu'on parle. Ou parler, ou à l'aise pour parler, ou à l'aise pour demander des services, ou à l'aise pour fonctionner dans la langue. Nan. Donc, l'homme est développement, je ne sais pas si je suis en train de l'ajouter. Oui, tu as rien dit tout. Vous parlez de développement. Développement n'a pas individu à dans toute dimension. Il y a l'éducation. Ce sont des outils d'apprentissage. Langue maternelle, là. Son outil d'apprentissage. Et ça n'a pas dit, ce n'est pas pour créole seulement. Hein. C'est ça qui fait que nous sommes capables d'introduire la question de ça dans la journée 21 février. Parce que vous venez remarquer ça, vous venez prouver ça, la science vient étudier ça, que dans tout pays, vous apprenez plus bien, vous apprenez dans la langue maternelle. Donc ça veut dire que nous voulons faire quoi? Nous voulons faire moi-même quoi tout? Que si nous devons tout étudier en créole, nous brillant, nous plus brillant, nous plus. Moi-même, je suis persuadé que si nous faisons ça, si nous baillons population, je ne vais pas parler pour exception, vous comprenez, je vais parler pour population. Si nous faisons ça, nous jouons des bails que nous ne pouvons pas imaginer. Nous jouons absolument. Il a démontré qu'on y a avec. Nous avons une académie qui est professeur linguistique et. MIT, Massachusetts, institut qui est reconnu internationalement comme un centre linguistique, enfin, pionnier en avance. Eh bien là, il y a une potente contribution font avec l'éducation nationale. Donc, qui gens pour enseigner science en créole. Ils ont même fait des logiciels déjà, en biologie par exemple. Et donc, c'est sûr que pour mathématiques, informatiques, et chimie, physique, et biologie, tout le monde, tout le monde apprend plus bien. Il n'y a pas jamais fini de cerner bien. Et le professeur est plus à l'aise tout pour enseigner et puis pour faire avec ça, ça y aurait l'apprentissage actif. Ok. Vous avez besoin qu'on ait tout. Et puisque n'a pas le créole, il est difficile pour une académie créole fonctionner en Haïti? Comment? Ok. Non, je me pose la question, est-ce que c'est difficile pour nous ou est-ce que c'est facile? Ali, de toutes les façons, c'est son travail exaltant, son travail qui enthousiasme nous. Ok. Mais qui travaille lié? Ça n'a pas fait? Ça n'a pas fait, eh bien, premièrement, n'a accompagné la population pour comprendre que nous avons des droits linguistiques. Que c'est libérer langue nous, c'est libérer l'âme nous, c'est le président académien qui te dit ça, c'est pas pasteur pourri Jean-Baptiste, vous comprenez? Map Dieu, moi-même, depuis 1962, je commence à travailler sur la question créole. Là. Ce qui fait que je suis toute évolution et problématique, le point de développement créole là, en Haïti. Et je passe 21 ans à l'étranger, pendant 21 ans, tout ça me fait, tout travail me fait, ni formel dans l'école, ni dans le secteur associatif, là, dans la communauté. Là, viennent prouver même bagaille. Outils communication, outils apprentissage, langue maternelle là, c'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, le yo servi à li bien ou capable de faire des changements sociaux extraordinaires. Est-ce que ça qu'on arrive nous travail sur quelques mots tout neufs qui t'a dû faire partie de langue créole. Bon, nous pouvons arriver à niveau ça. Bon, tout qui ça nous fait de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie créole commence à travailler sur les révisions orthographes là. Nous commençons à travailler sur ça. Actuellement, son travail qui est en chantier. Il y a plusieurs ateliers que nous avons fait sur ça. Académiciens, joignent avec professeurs, linguistes, mettez ensemble, écrivains. Nous avons chita, font bon râler et sur les questions orthographes et langue créole. Donc, pratiquement, c'est là nous y est. Mais nous pouvons venir avec l'autre. Il y a tellement de travail. Mais nous pas loin. Non. Ça m'a dit. Tellement de travail qui vous faites, Wendell, sur ça. Tellement de travail qui vous faites.
fait j'en nous saute parler là côté fait mon yo senti à l'aise. Mm-hmm. Yo bien en peau yo pour on n'a pas senti que les évidemment ça travail ça j'en noté dit son travail sans prendre souffle non j'en nous commencer faire avec moi avant les poser une question sur pour ne pas complexer non si m'a dit Tintin au lieu que passer m'a exactement voilà donc, c'est tout ce travail parce que nous t'es entré dans un moule nous former dans un moule bon sous suivre j'en noté de nous parler là nous former dans un moule ça et sortez dit tout à l'heure madame Chance était venue avec question de et, au point de vue scientifique pour et il y a travail sur des logiciels mathématiques etc. Sous prendre si mon petit a un petit monde qui petit même pas prendre si mon qui lève n'importe où prince dans famille même pas prendre petit pas même pas prendre petit tout mais n'a prendre si mon qui pas jamais entendre quand on monde un mot français qu'on y a pour prendre si mon sa premier jour venir l'école c'est là le temps des premiers mots français et tout livre c'est en français. Ouais, qui catastrophe qui fait. Sans problème. Exactement, quand il y a Timoun, ça allait arriver puis devant, depuis dans troisième, quatrième année, Timoun a obligé d'abandonner, il commence à doubler. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail, capitaine, au niveau de. C'est ça. Mm-hmm. Et sur question particulière à poser, sur mon neuf, comme ça, l'académie a formé de monde qui travaille, mais ils travaillent séparément, ou dans des côtés séparés, ou bien dans des branches séparées, parce que gagner. Éducateurs, gagnent scientifiques, gagnent plusieurs compétences dans l'académie. Et c'est avantage académie, ils créent un espace que tout rassembler tout travail ça qui t'a fait. Gagnent des groupes comme Société Coucou qui l'a longtemps et qui c'est des collectifs qui travaillent sur des questions de terminologie, sur des questions de syntaxe, etc. Ou gagner même dans des universités à l'étranger des départements d'études de langue créole. Moi tu vis Montréal, tu gagné à l'époque au début des années 80, tu gagné deux départements de langue créole, une dans l'université Montréal, l'autre là dans l'université du Québec à Montréal. Donc pour ça nous pas gagné une université. Et c'est là en pile étudiant viennent comprendre que créole son langue. Puisque par exemple, il y a pas jamais comprendre ça le était en Haïti. L'école te voulait dire couper avec milieu, couper avec langue, couper avec personnalité, couper avec culture. Alors, l'on restitue langue là, ou restitue namou, eh bien, on a accès. Parce que le monde qui va passer là, il est privé autour de dimension ça. Non, mais bon côté question, alors si je me trompe, je me dis moins, c'est que nous semblons à travailler en tête collée. Avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est ça qui va le faciliter. Ça va le faciliter dans la tâche. Exactement. Parce que comment lutter contre pour langue non développée sans qu'on pas passer par l'école, là, genre les vieux a écrit comme ça, sans rôle par le ministère de l'Éducation nationale. Et exactement. C'est ça, c'est le premier ministère avec lequel nous avons un accord qui fait. Parce que, pas oublier ça, l'Académie est un organisme d'État lié. Indépendant, mais un organisme d'État. Ce qui fait que le gain de dialogue avec l'autre organisme d'État. Je dis à moi que les presque venus pratiques dans l'intervention officielle qu'a fait yo, président, ministre, souvent parler, ils font en deux langues. Ils font en français et ils font en créole. Est-ce que ça veut dire qu'on leur a privé? Et que capable même lire français et que c'est discours fait en créole, même discours officiel honnête. Mais ça capable oui, ça capable briver, ça capable briver et le pour capable gagner. Écoutez non, qu'il y a par exemple jugement fait en français, avocat parler en français, il traduit pour mon cas qui vient chercher la justice là. Ou bien mon qui accusé. Il traduit parce que il pas l'écrit, greffier, il pas entraîné. Pour l'écrit en créole. Il n'est pas entraîné pour ça. Donc il n'est pas écrit mot pour mot, ça mon. Il n'est pas écrit mot pour mot, ça mon en dit. Donc il y a toute qualité de rive qui a passé là. Donc en réalité, c'est des situations, comme si je t'ai dit, même, si il n'y a pas de tragique pour ta vie, parce que il y a tellement caricatural. Juge parle français, avocat parle créole, avocat parle créole, accusé. Et par les créoles, tout le monde, tout le jury, c'est vrai, jury, tout le jury par les créoles, et puis elle a passé en français. Au risque que les gens
qui est directement concerné à ne pas comprendre. Alors, avant de finir l'interview, Madame Chancy, alors je me dis que je vais retourner sur un point avant, si ça me dérange. Est-ce que nous devons comprendre, puisqu'on dit, on commence le travail au cours des années 60, 60-62, mm-hmm. on fait 21 ans et à l'étranger, je me souviens de ça. Mm-hmm. Présenter une société, au cours des années 50 par exemple, est-ce que la société haïtienne, non, c'est une société guindée? Et... C'était une société conventionnelle, traditionnelle. Moi-même, je m'élevais comme champ pour me comporter, vous comprenez? Et puis, mal à l'école, c'est l'école là, j'ai fini mal dans la grande école là, lui, après ça. Et puis, après, une jeune fille convenable, sérieux. Mm-hmm. Ouais. Hein? Pas dit gros mots, et pas les créoles, c'est presque dit gros mots, et vous comprenez? Mm-hmm. Donc, frère, petit frère, je n'ai pas parlé avec l'autre petit milieu créole. Mais moi-même, je n'ai pas même senti qu'on on un bail qui freinait moi. Je n'ai pas senti ça. C'est comme ça, ça y est. Mm-hmm. C'est comme ça, lié. Je me posais peut-être une question. L'homme commençait réellement à rebeller, par exemple, contre la dictature. Mm-hmm. Le Sam sentit, j'aime capable de faire un travail pour contre moi. Mm-hmm. C'est la population qui fait travail là. Ouais. Comment vous me communiquer avec la population? Mm-hmm. Non, mais est-ce alors, que... aux populations qui existaient, vous comprenez, et puis moi, ma part. Est-ce que le français a quitté un principe de langue qui a été imposé? Est-ce que le bâtiment a bon côté? Bien sûr, toute langue a son richesse. Et nous parents, et l'Académie, oui. Et créole n'a pas en guerre avec on l'autre langue. Langue pas en guerre entre langues. Mm-hmm. Pas en guerre. Ouais. Soit aménagement que pour nous faire. Mm-hmm. Alors, Anouel, de génération en génération, entre eux, dans telle génération, mm-hmm. on parle jambé dans l'autre génération. Est-ce que c'est choc que ça fait ça? Non, parce que. On ne ressentir pas quand on. Parce que Dieu a vive l'évolution que l'a subi. Hein? Oui, mais sous conscient de lui, ça a aidé pour vous-même faire des choix. Mm. Des choix une jeune fille des années 50, qui ça a été fait comme loisir? Qui côté elle capable d'aller? Elle est dans le bal. T'es gimbal. Non, c'est vraiment un bagage étrange. C'est pas un bagage étrange. Non, et puis il y a un pile roman qui raconte ça. Et c'est pas. C'est-à-dire que. Pas de cinéma dans le moment ça. Ah oui, un pile cinéma. Et quel type de film vous avez? Toute qualité film. C'est pas peut-être pas des films de qualité toujours. Mais c'était c'est pas de cinéma haïtien, pas de développé du tout. Mm-hmm. Vous comprenez? Cinéma haïtien. Il fait quoi? Ouais, il fait. Hein? Non. Écoute, Anita paraît, film Rasoul Labuché paraît en 79, c'était nouveau à tous les points de vue. Mm-hmm. Parce que tu agité des questions que tu n'as pas jamais agité avant. Mm-hmm. C'est ton film tout en créole. Mm-hmm. Pour aller dans le cinéma, le ça, donc c'est obligé. Alors, excusez-moi, je me dis que nous ne faut pas parler de qui j'ai de l'autre avant, parce que mm-hmm. ça pourrait dire sur l'académie, hein, peut-être deux dernières questions avec madame Nambolvini. Mais à l'époque, pour aller au cinéma, pour sortir, puisque c'était français, c'est toujours la grande famille en dimanche. Non. Pas nécessairement. Peut-être que tu es dans un petit village, hein, et tu as deux salles de cinéma. Mm-hmm. Tu as deux salles de cinéma, chaque samedi nous avons un programme de cinéma. Pourquoi nous? Nous avons une machine à tous côtés, pourquoi nous? Pas de gain de sécurité, Jean-Louis. Non, pas de gain de sécurité. Non. Pas de gain de sécurité, Jean-Louis. Mm-hmm. Et les familles étaient plus quiètes, seulement nous avons une veillée, c'est lumière, parce que après, lumière là. Il faut la caillou. Mm-hmm. À 7h du soir. Non, pas comprendre. L'œil allume la lumière mm-hmm. dans la rue. Parce oui. que tu as une lumière dans la rue, dans mm. Pétionville. Faut qu'il y ait la caillou. Donc, c'est bien pour calculer. Donc, pas question de une jeune fille dans la rue, 10h, 11h du soir, par exemple. Non. Depuis 6h, parce que. Bon, après ça, le mal, par exemple, même d'étudiante, l'école de droit, bah, comme ça, moi, je suis arrêté à Pétionville. Avant de rentrer à la caillou, je suis arrêté avec mon galon film. Mm-hmm. Vous comprenez? Dernière question, ma pose là. Expliquez-nous, madame. Ou bien un réflexe de un monde
jeune, un réflexe de monde de 30-40 ans. C'est le résultat d'un travail qu'on fait sur vous-même qui fait comme ça, je dis. Hein? Il y a des gens de 30-40 ans qui tout dormi. Devant ça, il y a rien pour faire. Mais il y a des gens qui réfléchir sur les questions, qui toujours après qui gens qui utile, qui gens existence qui utile et qui gens comprendre. Ouais. Moi j'ai passé 21 ans si n'a parlé de créole, 21 ans et Canada. C'est là que en 1983, ils ont fêté pour la première fois, ils ont célébré pour la première fois Journée internationale créole. Alors, créole qui parlait dans plusieurs espaces créolophones. Mm-hmm. Eh bien, moi, j'étais dans cette question, ça. Mm-hmm. Parce que, à l'assister, il y a une réunion qui était faite, et c'était en Floride, enfin, il était fait en côté de Lafayette, tout près New Orleans. Mm-hmm. Et c'était le Comité international des études créoles qui était fait. Mm-hmm. Et en marge de ça, il y a le Comité Banzil là qui a fait réunion. Banzil, c'était des monde qui intéressés dans le créole, linguistes, etc., qui natif natal pays, yo, ni dans l'océan Indien, ni dans le Caraïbe, et qui réunit pour yo faire promotion de la langue créole. Vous comprenez? Parce que vous venez de rendre compte de tout ça, Namdi Kounia. Et c'est le ça, ils ont confirmé que c'était en 1983. C'est année, n'a fait une célébration internationale de la langue créole. Un pays qui était devant, c'est Seychelles. Mm-hmm. Et ministre des Relations extérieures Seychelles, là, c'est lui-même qui était dans cette question, ça, à faire promotion question ça, et qui vient obtenu que UNESCO vient intéresser la donne. Alors, nous célébrons une grosse célébration. Est-ce que ça me se dit là, c'est moi qui premier jour? Qui ça? Ou vivant. Comme vivant. Qu'on peut dormir, même j'avais 30 ans, avec des gens qui ont 30 ans, 20 ans. Ça me t'a dit, c'est pas en question de l'âge. C'est pas en question de l'âge. C'est sous-conscient. Pourquoi qu'on est vivant, sous-conscient de problèmes qui gagnent. Si ça, des questions ça, on connaît faire une angoisse. Mais ça me dit, l'observation que me fait, est-ce que y a l'autre monde qui connaît ça déjà? Bon, oui, c'est moi-même, j'ai des amis tout l'âge et puis tout le monde à l'aise avec moi, donc pas un problème. Dans le pays, je fais le tour du pays, moi toujours au travail, Et je fais un travail d'éducation en général. C'est un travail qui est très gratifiant. Et pour c'est qui ça? Après, mon a grandi devant. Et pour qui ça? Avec jeune, tout, qui aime mon jeune. Mais je travaille avec adulte. Bon, et pour qui ça? Travaille avec femme. Bon, travaille avec femme, qui aime mon jeune, madame, oui, je voilà. Et pour qui ça, papa, vous pensez à votre traite? Je ne sais pas comment vous ça. Comment vous dites en créole? Je ne sais pas comment vous ça. Suspend travail. Bon, non, ça, on traduit lui. C'est très bon. Ah oui, mais. Là. Mais madame, je suis capable, monsieur, que je vais vous poser une question, c'est parce que vous avez pensé ouais. Déjà. Ou bien, moi, ce que je dis, que mon retraite n'a pas existé. Il n'a pas existé, mais c'est ça. Non, il n'a pas existé, mais c'est ça. Même si j'ai un peu à faire l'âge là, je m'entendais Odette dire ça dans une. Je n'ai pas l'impression, c'est sous métropole. Oui. Odette dit, il n'a pas parlé de question l'âge. Il levait le matin et il remplit journal. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ou femme travaille avec lui tout, ou même Javel? J'espérais ça, parce que je m'admire au en pile. On rappelait-moi parfois la soupe pendant parler là. De temps en temps, on rappelait-moi. Bon. Comme on dit, peut-être, nous partager certaines valeurs. Voilà, on comprend. Je comprends. Merci infiniment, madame Chancy. Je suis vraiment content de recevoir. Ce n'est pas toujours facile pour me garder des gens comme ça avec moi dans le point. Et auditeurs et téléspectateurs capables de voir à quel point que je suis content et que ça fait plaisir pour de, avec même enthousiasme que je recevoir Mme Fonbouin, c'est avec même chaleur en tout que je recevoir là. Pas faire jalousie Mme Beauville, ou même mon jeune Beauville. Et je suis comme une diplomatie. Alors, je dis là, l'académie a fonctionné bien. Qui est le plus gros problème que nous avons? Bon.
quand toute institution nous gain problème pas nous parce que en pile nous même nous tellement gain en pile défi en pile fois nous dit est-ce que et qu'on dit mon qu'on dit bra nous a pas arriver côté nous besoin arriver à parce que c'est une institution l'état que nous y est nous connaît situation économique l'état et jodi à là 21 février on a lancé une caravane nationale ça veut dire à travers tout département dans pays là même travail où nous pral faire Gonaïve journée internationale langue maman nous gagner pour nous aller dans 10 départements donc pour aller ou pas qu'on est que river comme ça ou pas ou aller donc gagner des activités pour faire gagner et à équipe nous avons sorti etc donc faire activité ça non seulement à côté le défi qui gagne et la question de faire promotion langue créole pour nous connaître droit que le gagne droit linguistique et droit culturel que le gagne ça c'est déjà un premier gros défi mais il y a l'autre défi tout pour académie lui-même les river et passer sous eux pour lever eux pour capable faire que ça tout ça nous gagne pour nous faire bonne journée langue maman nous c'est pour dimanche et m'a tant un dernier mot pour fermer émission avec madame Chancy. Madame Chancy, qui dernier mot de cabano là dans émission ça matin avant nous aller penser que gagne deux trois problèmes pour Haïti qui fondamental et question langue là moi définitivement pensé c'est un gros problème et pas gain il pas gain raison d'être parce que nous gain pile à tout dans question ça problème là essentiel c'est que yo t'es toujours posé créole là comme obstacle comme inconvénient alors que c'est un atout puisque tout le monde capable partager toute connaissance tout espoir tout idéal nous capable partager tout bagaille ensemble population et nous quatre travaillons à l'unité nationale. Merci en pile et madame Chancy et faut me dire que sûr que madame Fonboin t'a suivi l'émission ça matin. Merci encore une fois parce que t'as accepté là avec nous aujourd'hui à la métropole. M'a souhaité une bonne chance Kimbella et puis nous voyons l'autre occasion si bon Dieu si bon Dieu voulait. Merci au même temps. Merci, madame. Nous sommes suivre rubrique Le Point et aujourd'hui, nous avons deux invités. C'est madame Adeline Magloire Chancy, qui est une académicienne et qui est membre de l'Académie créole. Madame Lucas Jout Beauville, directrice communication Académie créole haïtienne. Merci tout le monde qui a accepté nous l'accueil aujourd'hui. Et n'a pas rappelé que l'émission ça, mon okay t'a suivi à travers radio et télé Makaya. Mon dans sud-est t'a suivi l'émission ça à travers radio et télé Jacques Melinter. Nous saluons tout internaute qui à travers le monde t'a suivi l'émission ça. Souhaitez-nous pour nous passer une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. N'a pas lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins. À 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.